Salut à tous, ici Coconut31, j'espère que ça va bien. Je suis toujours sur Far Cry 3 sur PC. Et là, je vais faire une vidéo sur une mission additionnelle qui s'appelle Unité de test, qui se trouve là-bas, à 30 mètres environ. Et voilà, donc je vais la découvrir en tant que vous. Et voilà, on va voir comment ça va se passer. Petite lettre, on va la lire vite fait. Ok, allez hop, c'est parti. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va se passer, hein, je la connais pas, c'est du direct 100%. Donc voilà, je récupère toujours un peu l'argent que je peux trouver, hein, ça peut toujours servir. Et je suis toujours avec la déchiqueteuse, c'est une arme que j'aime beaucoup. Voilà, si vous aimez d'ailleurs les vidéos comme ça, où je vous montre des missions et vraiment jouer en live, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai d'autres. Hein. Après, est-ce que vous aimez des vidéos longues ou courtes, ça vous de me le dire aussi. Je m'adapterai en fonction de vos préférences, quoi. Là, je fais une vidéo où vraiment je vais tout détailler de ce que je fais. Et voilà, je vous donnerai mon ressenti au passage. Donc là, je sais pas trop où il faut que j'aille, on va voir. Hein. Je pense qu'il faut aller en bas. Je suppose. Il faut aller là, je sais pas. Mais à mon avis, on va se retrouver nez à nez avec des gens qui ont dû faire des expériences sur des gens, parce que vu que ça s'appelle unité de test, bon, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Hein. Bon, voilà, on avance, on avance. Décidément, il y a du pognon partout aussi, quoi. Et il faut savoir aussi que si vous le savez pas déjà, c'est que le porte-monnaie a une place limitée, ça veut dire qu'en gros là je l'ai perfectionné jusqu'au point d'avoir 10 000 dollars en poche, on peut pas dépasser 10 000 dollars. Donc là il faut explorer le laboratoire, donc c'est ce que je vais faire, j'espère qu'il n'y a pas d'ennemis. De toute façon je pense que je les entendrai un petit peu. Voilà, il y a toujours des conteneurs à récupérer. Tu vois, on voit des types qui sont dans des cages, je pense qu'ils ont passé un seul quart d'heure. Donc je joue toujours à la manette. Manette PS3, mais reconnue comme manette d'Xbox 360. Hein, ne soyez pas étonnés, hein, c'est comme ça. Bon, par contre, j'entends un bruit de fob. Vous l'entendez ? Ah c'est des... Non c'est pas un fourre, c'est un chien. Donc je me suis mis à accroupi et on va essayer de voir ça. L'autre part là-bas. Et quand on est accroupi, on fait beaucoup moins de bruit. Hein. Et puis dans mes compétences, je les ai d'ailleurs améliorées toutes à 100%. Je me déplace vraiment très silencieusement, même en allant vite. Hein. Voilà. Bon, allez, voyons voir en face ce qu'il y a. Explorer le laboratoire. Ah là, il y a un chien. Non. Je suis persuadé qu'il y a un chien. Ouais, c'est bizarre, il bouge pas. Je peux le tuer à distance. Non. Des sous-problèmes ce chien là, et moi je suis en avoir aussi.
là c'est simple. Pauvre petit chien. Bon, ben voilà. Hein. Ce Klebs avait des soucis. Et on lui a réglé ses soucis. Voilà. J'ai pas perdu de vie, donc bon, tant mieux. Alors, qu'est-ce que trouver un moyen de sortir du labo? Très bien. Bon, ben on va essayer de sortir de là. J'ai la manie de me trimballer toujours à genoux, moi. On sait jamais, j'ai pas envie de faire trop de bruit. Donc les rats, on peut les tuer si on veut. Bon, je les laisse tranquilles, en effet. Ils peuvent ne rien me faire dans tous les cas. Donc on a du sang et on a des rats. Toujours des rats. Okay. Ils ont tous eu des problèmes ici. Hein. Et là, on voit un signe, je sais pas ce que c'est. Ouais, je récupère la peau du chien, ça pourrait me faire un peu de thune aussi. Allez, on avance. On récupère un peu de monnaie. Hein. Personne. Personne. Ils sont vraiment partout ces chiens. Ah, et là je parie que ça va s'écrouler, on parie. Donc du coup si ça va s'écrouler je vais essayer de sauter. Non. D'accord. Il y a un lézard ou un truc pas loin là. Putain, ça fait flipper parce qu'on sait pas d'où il vient. Là. Bon. Il va y avoir des chiens vers moi, je pense. Bon, alors là. Voilà. Ça, c'est bon. Thank you.
Bon, ben voilà, hein, mission terminée. 2000 points d'XP en plus, bon, ça me sert pas à grand chose, pardon, parce que j'ai atteint le niveau maxi. Ben voilà, hein. J'espère que ça vous a plu. Je continuerai sûrement d'autres vidéos très bientôt. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt et passez une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, salut.